Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Comme d'habitude, le petit pouce bleu pour le soutien, c'est la seule chose que je vous demande. En contrepartie de vous donner des pronostics foot et tennis gratuits. Tout est gratuit. N'oubliez pas, j'ai également Instagram depuis une semaine. On est déjà plus de 200. C'est vraiment excellent. Avec énormément de soutien, comme sur la dernière vidéo où on atteint presque 3000 vues et énormément de pouces bleus. Le record de vues, le record de pouces bleus, vraiment. Et puis beaucoup de commentaires. On peut très bien commenter, donner son opinion. On est libre de faire ce qu'on veut, même si voilà, certaines personnes sont vraiment plus que désagréables. Puisque voilà, dès qu'il y a un pronostic qui passe pas, comme le dernier malheureusement, eh bien, il sent, voilà, c'est très facile hein, de critiquer. Moi, je pense que voilà, derrière son écran, c'est très facile. Bon, moi, je laisse. Soit je laisse, soit je supprime, soit je bloque la personne. Il n'y a pas de souci. En tout cas, sur cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic et mon petit pari sur le match PSG-Real Madrid. Je pense que c'est très compliqué en Ligue des Champions d'éviter les surprises. Vous avez bien vu qu'il y avait énormément de surprises, notamment Chelsea-Valence. Valence qui s'impose à Chelsea. La raison pour laquelle je vous conseille et je vous suggère de ne pas miser gros parce qu'il y a beaucoup de surprises. Vous avez bien vu, nous hier, on a perdu en Ligue des Champions. Beaucoup de cotes à 1,40, 1,30 qui passent pas. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont misé gros sur la victoire d'Inter Milan, etc. Nous, on a fait un combiné, c'est pas passé, rien de grave. On est en bénéfice sur le mois, c'est ce qui compte. En ce moment, on est très bien, donc il n'y a pas de souci. Moi, mon pronostic, c'est le match nul entre le PSG et le Real. Alors, je vais un petit peu m'expliquer, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros match. Et voilà, le Real n'est pas dans une très bonne forme. On le sait, en défense, c'est pas ça la défense. C'est rien compliqué pour eux. Le PSG, eux, voilà, ils vont devoir faire sans leur star, surtout Mbappé qui plante facilement des buts. Mais voilà, Paris est à domicile, beaucoup voient le Real gagner. Pour moi, les Parisiens vont tout faire quand même pour bien démarrer cette poule de Ligue des Champions. Donc pour moi, ce sera le match nul, coté à 3,55 au bureau tabac. Ça fait que varier, c'est sûr. Donc j'ai misé 5 euros pour 17,75 € de gain, uniquement 5 euros. Si ça passe, c'est déjà très bien, mais si ça passe pas, rien de grave. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée de Ligue des Champions à tous.